Alors Florian, bienvenue en Rotterdam. Merci. Qu'est-ce que tu penses de Rotterdam et la club Sparta Rotterdam? Bah déjà, la ville, c'est vraiment beau. Enfin, par rapport à la France, ça n'a rien à voir. Après, bah, le club, moi, je suis venu donc depuis hier. Et enfin, déjà, c'est un club structuré. Ça, c'est important pour moi. Et puis, le stade, c'est un beau stade. Donc, moi, ouais, j'ai hâte d'arriver. Pour nous, tu es une joueur inconnu. Qu'est-ce que tu peux parler de toi, ton histoire? Ouais, ben moi j'ai été formé à Monaco, j'ai joué pendant 6 ans là-bas, j'ai joué un peu en pro là-bas aussi. Et après je suis parti un peu dans. Je suis à 95 matchs de Ligue 2, deuxième division française. Et voilà, après j'ai gagné la Coupe de France jeune avec Monaco. Et à les dernières années, tu as changé beaucoup des clubs. Pourquoi c'est ça? J'ai pas réussi à m'installer dans un club parce qu'il y a eu des petits désaccords et donc. Ça n'a pas été dans mon sens certaines fois, mais là c'est vrai que j'ai vraiment envie de m'installer à Rotterdam. Et qu'est-ce que tu peux donner à Sparta? Mon envie, parce que j'ai vraiment envie de bien faire, j'ai envie de rebondir et je sais que l'objectif ici cette année, ça sera le maintien. Si on peut faire mieux, tant mieux, mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'aider le club à se maintenir. Et tu joues à la défense et tu parles pas hollandais. Comment tu dois faire? Bah, j'ai déjà côtoyé une fois ou deux certains joueurs et on parle anglais sur le terrain, c'est plutôt facile. Mais moi, je vais faire tout mon possible pour parler le plus vite possible hollandais parce que c'est important de s'imprégner la langue et donc je vais faire tout mon possible pour parler très vite. Nous sommes dans le stadion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est un beau stade. Ça se voit qu'il l'a déjà vécu avec le château. C'est un stade et j'espère faire de belles choses ici. Et les autres joueurs, presque tout le monde est en vacances. Qu'est-ce que tu sais de ces joueurs, l'entraîneur? Bah le coach m'a. Enfin, j'ai déjà parlé avec le coach par message ou par téléphone. Donc, sur le peu que je sais de lui, ça a l'air d'être un bon coach. Déjà, il a réussi à faire monter l'équipe, donc c'est très bien. Après, les joueurs, j'ai vu qu'un peu sur Internet. J'ai pu parler à Loris, parce qu'il parle français. Donc, les joueurs, bah, je pense que ça va bien aller, il n'y a pas de raison.